Alors, on est enfin là. Ça a été long, compliqué. Très compliqué. Les modes, les DLC voulaient pas s'activer, ça fait 10 minutes que je suis dessus. Alors, on est parti. Allez à la zone. Ah, c'est même pas du. Ah, mais. Ah, c'est même pas du. D'accord. Je croyais que c'était du détecteur sismique, mais je suis complètement bête, ça n'en est pas du tout. C'est juste de l'exploration. D'accord. Ok. Je suis déception. Eh ben. Ok. Ok. Vous voulez jouer à ça? Eh ben, on va y aller en scout, on va aller se promener un petit coup. D'accord, bah du coup, je me disais, c'est bizarre, deux trucs sismiques sur la même carte. Ça aurait été un peu chelou. Je comprends mieux. Je comprends beaucoup mieux. Alors les pneus, on va pas lui mettre les tout-terrain, les off-road, c'est pas la peine. Salut Milo, salut Berzekir. On va lui mettre ceux-là. Bah du coup la couleur ne va plus. Qu'est-ce qu'il a comme couleur lui dans son truc? Ouais. J'avoue que les jantes oranges, ça casse pas mal. Ça casse pas mal des possibilités, hein. Ah, puis. Les couleurs de ski là, c'est une horreur. Elles sont où les couleurs militaires là? Ouais, bah oui, c'en est une. Ouais, d'accord. Allez, on va y se promener de toute façon. On va juste faire un petit truc, hop. On va visiter les points, après... Ah, et donc ça va être beaucoup plus court que je croyais, je m'attendais à en galérer du détecteur sismique, mais que dalle. Ok. Il est pas trop mal avec un noir plus profond que celui du jeu. Ça fait bien ressortir les marques oranges à l'arrière et... Pas trop mal. Allez, on va l'explorer les trois points, après on emmène un camion pour l'eau, un camion pour le... Pour le transport de ressources et puis basta. Et puis il y aura les deux défis et puis ça sera fini. Fin de la phase. Ok. Bon bah je sais pas si ça va durer très longtemps cet après-midi, on va voir. Sinon je partirai peut-être sur un autre jeu, on verra, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai de côté qui pourrait être sympa. Alors, on me demandait si je ferais d'autres lives après. Peut-être de temps en temps quand je jouerai sur Xbox. Alors le problème c'est que ça va être des jeux divers et variés et qu'il n'y aura plus personne. Je suis sûr qu'il n'y aura plus grand monde, on va être 10 maxi, quoi. Déjà que ça a réduit beaucoup, je trouve, en ce moment. On était à 50, on est passé à même pas 30 hier. Donc on verra bien, mais j'ai l'impression que, je sais pas, la fréquentation a l'air de baisser. À moins que mercredi il y avait moins de monde, je sais pas. Salut ta meuf! C'est moi ou toi qui merde? Quoi, ça merde déjà? Au bout de 2 minutes? Non. Non, moi j'ai l'impression que ça va bien, hein. J'ai le retour. Je m'entends toujours, j'ai pas l'impression d'avoir vu de coupure vidéo. Salut Zultwalk, Zultwalk, pardon. Je crois pas que ça vienne de chez moi pour une fois. Oh non! Oh, tu fais chier. J'aurais dû laisser la WD, au moins il est un peu plus stable.
J'aurais presque pu me prendre un petit. J'ai failli me prendre un scout modé. J'aurais peut-être dû. Je sais pas, ça va mieux que je suis en wifi. Salut Narbush. Pour une fois, mais tellement l'habitude avec ton abonnement à AOL que je t'ai accusé en premier. Ah bah, et la facilité directement. Ouais, bah vas-y, vas-y, te gêne pas. Te fais pas chier, vas-y. Bon, j'ai regardé pour la fibre chez moi, c'est pas encore tout de suite. Peut-être d'ici octobre. Mais bon. Je me méfie. On verra bien, je vais suivre ça. Je vais essayer de me renseigner petit à petit. Ça sera la surprise. Bon, je sais pas si vous avez vu, il y a un nouveau jeu Lego de course monde ouvert qui vient d'être officialisé. J'ai ouvert un nouveau salon dans le Discord. Donc on verra bien. Tu vis en campagne? Ah oui, en montagne même, pour être plus précis. Le véhicule de secours arrive s'il s'éclate pas dans une barrière. Bon, ça drifte un peu. Ouais, ça risque d'être assez court en fait. Hein. Petit passage de ma part en direct du travail. Salut, que ça fait plusieurs lives que je rate car j'en ai plein à rattraper. Et bah, salut à toi, bon courage au boulot. Merci de passer, Hotman. Bon, aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais faire. On va finir ça, à mon avis, il n'y en aura peut-être pas pour super longtemps. Hein. Donc je vais pouvoir préparer mon avis sur la phase. Je sais pas si je vais faire une vidéo conseil de cartes. Bon, j'en ai déjà fait d'une certaine manière. Je les ai séparées en mettant les ressources illimitées, comment fonctionne l'eau, tout ça. Les routes, il n'y en a pas spécialement qui passent mieux que d'autres. Donc, je sais pas si ça va bien valoir le coup. Alors je sais plus, on m'avait proposé de prendre un scout, mais je sais plus lequel l'autre fois. C'était quoi? C'était le Marshall? Peut-être. Merci à toi, bon live à tous et à bientôt. Eh ben plus, salut à toi, bon courage. Yo Triple H! Comment ça va aujourd'hui? Bof, pas fort, mais on fait avec. Ah merde. Bien désolé pour toi. Alors, on arrive sur place. Donc, on a. Ah oui, d'accord, c'est facile. Un petit point là, un petit point là, un petit point là. Allez, go! Salut Martinelle, comment tu vas? Malheureusement, j'ai pas pu assister à tous tes lives, mais j'ai vu quelques vidéos sur ta chaîne YouTube. Je dirais que tu es plutôt déçu de cette phase, c'est le cas. Salut Optimus. Je suis vraiment partagé. Hein. Je suis vraiment très très partagé. Faut aller là-dedans? C'est bizarre, je vois même pas le point bleu. Même pas de points bleus. Vous avez oublié de les mettre?
What? Je veux bien, mais mais il y a pas. Je vais même pas pouvoir finir ma phase. As-tu déjà fait une vidéo sur ton tir des maps? Non, je l'ai pas encore fait du coup. J'ai pas eu le temps. J'ai eu 2 semaines là hyper chargées. Pas du tout le temps. Mais j'ai dit que j'allais y faire dès que j'aurai fini la phase. Là, je vais avoir plus de temps. Je vais m'y attaquer. C'est sûr qu'en altitude de la montagne, ça doit être chaud pour télécharger un jeu ou même avoir un bon réseau. Mais d'un autre côté, t'as la trente qualité, pas le bordel des villes. Ça a son charme, la montagne, perso, ça me plaît. Ah oui, non, mais ça, il n'y a pas de doute. Hein. Mais bon, c'est vrai que streamer et montagne, hein, ou campagne, hein, c'est pas fou. Hein. Bon, je vais y revenir pour mon avis. De toute façon, je vais faire une vidéo. Mais là, je suis un peu. Je suis un peu concentré. Ouais. Alors, ah, c'est peut-être pas le 1? Bah, si, c'est le 1. Oui. Oui. D'accord. Donc le 1 ne s'affiche pas. D'accord. Ok. Voilà, tu veux mon avis sur la phase? Voilà, tu l'as. Voilà. Je pense que tu as mon avis. Je pense que j'ai pas besoin de détailler plus que ça. Je vais peut-être pas pouvoir finir ma phase, sachant que la mission suivante dépend de celle-ci. Voilà. On est d'accord, mais il y avait écrit détecteur sismique en même temps, ça se trouve il le faut quand même. Ça se trouve faut quand même le détecteur sismique, mais il te le dit pas cet abruti. Je crois que c'est écrit, non? Mode vibrateur sismique requis. Mais d'accord, ok, bon d'accord. Ok, donc il faut bien le vibrateur sismique, mais on te donne les points. Ok, bon bah je vais me regarder ailleurs et puis je vais aller chercher un... Un vibrateur sismique, puis c'est tout, c'est ce que je te dise. Ouais, ok. Je m'attendais pas à devoir faire un truc aussi bizarre que ça, mais pourquoi pas. Vu que c'était des points avec une petite loupe, je m'attendais à ce que ce soit de la visite. Mais non. Mais non, c'est pas de la visite, apparemment c'est du vibrateur sismique. Bon. Petit fichier de Tolinx pour savoir qu'est-ce qu'on peut prendre pour un vibrateur sismique. Alors, hop, dépêche-toi s'il te plaît. Allez, Google Sheets. Allez, affiche-moi les trucs. Module liste. Alors. Vibrateur sismique, 18 véhicules. Le dérive spécial. Brigadier, P512, Pike, ZIG605, 6455B, 49X, 47X 1430, c'est le plus gros. D'accord. Ouais, bon, c'est pas ce que je voulais faire. Le plus petit, il l'a pas, hein. Ouais, bon d'accord. Du coup, avec une petite benne, ça ressemble à quoi? Ouais. C'est pas forcément foufou, mais ça peut faire le taf. On testera ça après. 49X, allez, peut-être un 49X. Ça fait longtemps que j'ai pas pris mon petit 49. J'ai pas vu le Board dans la liste. Il y a le Board. Le Board fait détecteur sismique. C'est n'importe quoi. Voilà, mon petit 47, 49X. Alors, hop. Vibrateur sismique. Allez, on est parti. Bon.
C'est assez curieux comme idée, hein. On sait où c'est, mais on a quand même besoin du vibrateur sismique. D'accord. Ok. On va dire ok. Salut Jimbo. Bon, écoute, ça peut aller. Les bugs sont rares dans le jeu. Ouais. Ils sont omniprésents surtout. Après ma preneur, il n'y a que études approfondies et ruée vers l'or qui demande un vibrateur. Ouais, après ma preneur, ils font pas tout, hein. Niveau des missions, c'est pas forcément génial le site, je trouve. J'essaie un petit peu de faire un fichier, une page concernant les missions. Je sais pas. J'essaie de faire avec des codes couleurs, mais alors c'est compliqué, de différencier, d'avoir des couleurs bien séparées. Puisque le Yorpass 3 existe, c'est donc à 100% sûr que l'on aura des phases au moins jusqu'à 12, n'est-ce pas? Bah oui! Ah, tu me poses cette question alors que j'ai fait une vidéo où je te dis qu'il y en a 12, où j'ai parlé de leaks et que ça va jusqu'à 12, où il y a des leaks sur Steam, sur Epic Games, où tu peux de toute façon aller voir sur les stores de tous ceux qui ont le jeu, le Year Pass 3 te dit que ça contient 4 phases, donc jusqu'à la 12. Qu'est-ce que tu veux de plus pour te confirmer qu'il y a 12 phases? Enfin, qu'il y en aura jusqu'à 12. Bah, pas ce que tu veux de plus, hein. Je pense que là, on a tout, hein. Il est mieux que son skin, je trouve. Alors, je sais pas de quel skin tu parles. Lui n'en a pas. Ou alors, tu parles du skin jeu, quoi. Pas du skin bonus, quoi. Je crois pas qu'il en ait, lui, hein. Il devrait avoir le skin Wolf. Mais il ne l'a pas parce que les développeurs sont des trous de balles. Ils nous ont dit que tous les Western Stars auraient le skin Wolf. Et j'ai essayé d'en parler avec lui. Je suis pas au courant. D'accord. Ah bah c'est pas grave, hein, on va se démerder là. Donc c'était ça sa réponse et on n'est pas au courant. Voilà. C'est dans le propre descriptif de son mode, mais on n'est pas au courant. Voilà. Bon, je me suis amusé à... T'as bouffé que 7 litres depuis ton départ? Où je vois mal et c'est 290. Il a 290, oui, j'ai bouffé 25 litres là. J'ai déjà bouffé 25 litres. Il consomme de dingue. Hein. Je trouve qu'il consomme de dingue. Il reste à 13 litres max là pour l'instant. Mais ouais, 25 litres déjà de bouffé. Ouais. Je sais pas ce que je lui ai mis en moteur, mais il boit. Hein. Ah, il dilue pas avec de l'eau lui, hein. Ça m'étonne. Là, il est à 7-8, c'est pas énorme. Il monte des petits pics à 13, je sais pas pourquoi. Allez hop. Salut Captain Jojo. Ah, par contre, tu viens, mais t'as pas mon son, apparemment, si j'ai bien compris. Ça va être compliqué, t'as que l'image. Regarde sans le son. Bah oui, bah. C'est compliqué d'aller voir un stream sans le son ou sans la vidéo, mais. Allez, c'est parti. Bon, on va scanner ça vite fait, ça évite de torcher. Ça va bien une console normale pour SnowRunner. Oui. Ouais, je me suis amusé à faire quelques conneries hier. J'ai pris le berlier, je lui ai foutu un twin steer sur le toit. Je lui ai mis le Ford et le Transtar dans la benne. Ça tient. Les deux l'un à côté de l'autre, hein. Pas l'un devant l'autre. Je me suis amusé, j'ai fait quelques petites conneries. J'ai fait le train autoroutier avec de l'essence au lieu de l'eau. J'ai fait la même chose avec des ressources. J'ai réussi à faire un camion de 12 places. Hein. C'est mieux que le 8, hein. Et en plus c'est articulé. Donc, avec les espèces de caissons réfrigérés, toujours de GGMS, mais d'un autre mode.
Bon, c'est quand même curieux leur système. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble là, mais. Scanner des points avec vibrateur sismique alors qu'on sait où c'est. Ouais. Des feux souterrains. Je sais pas trop si ça existe, des feux souterrains. Ouais, bien sûr. J'ai raté le berlier, faudra que j'aille voir les rediff si j'ai le courage. Mais j'ai pas fait le berlier en vidéo. J'ai pas fait le berlier en vidéo, j'ai fait hier soir tranquille dans mon coin, j'ai pas fait de live. Et dingue, le Tesson il m'a bien servi à un mur. Ouais. Bon, après, moi hier soir je lui avais laissé le plus petit moteur, j'ai galéré à faire certains trucs. Hein. Il avançait plus, une fois que tu lui mets deux camions sur le dos, ah, il a plus envie d'avancer lui. Bon. Il tient bien le pavé, je trouve, le 49X, hein, c'est curieux. Hein. Pourtant, il a les UOD comme tous les autres, mais il drifte pas. Ou alors c'est parce que les autres ont des pneus boue. Qu'est-ce que c'est qui drift? Il y avait le Bohar en OHD, je crois. Il me semble que j'en ai fait drifter un paquet ces derniers temps et je crois qu'il y en a qui étaient en UOD. Hein. Nous y voilà. Ah, ça bip. Ça bip. Ah, j'avais pas vu les distances. Ah, ils ont quand même mis les distances, d'accord. Bon, on sait où c'est déjà, les gars. Hein. C'est pas la peine de. Je comprends pas bien comment vous avez fait ça, mais. Ah, j'ai même pas besoin de descendre! Ah, là, je suis bon, là, en fait. D'accord. D'accord. Ah, bah, c'est pratique, hein. Ok. Bon, bah, ça va pas être long. Il y a même pas besoin d'aller au bon point. Je me suis dit, ça va peut-être être chaud la descente, mais non, bah, il n'y a pas besoin. Je vais attaquer un mur sans mode et en hardcore, je vais pleurer. Ah ouais, il y a des chances. Hein. Bon après, ça dépend, si tu prends les Azov, voilà, tu vas pas galérer beaucoup. Hop là. Dur hein, la mission. Merci Tolinx, en parlant de drift, tu m'as rappelé que je fais plus de drift en CK 1500 en Alaska, je retourne faire des drifts. Bah écoute, si ça t'amuse, vas-y, mais finis le jeu déjà, ça serait pas mal. C'est pas mal de finir le jeu. Elle y était pas quand t'étais à Albany. Ah, tu parles des distances. Non, non, elle devait pas y être. Bah non. C'était pas sur la bonne carte, elles y sont pas. C'est un jeu qui se veut réaliste, mais rien n'est réaliste. Faut pas chercher à comprendre Snow. Ah, bah ça. Ça, c'est pas faute de le dire, hein. Il y en a plein qui me soutiennent que c'est une simulation, mais bah, il y a des moments, hein, tu te demandes. Hein. C'est vrai qu'il y a des trucs qui sont très très bien faits, hein. Mais il y en a plein d'autres qui sont très très mal faits. Alors, c'est là-bas. Ah, il y a carrément un petit chemin forestier pour y aller. Ah bah ça va, c'est pratique. Wow. Par contre, il y a quand même quelques trous. Quelques trous, quelques troncs à la con là, enfin quelques petits trucs qui dépassent. Et voilà.
Fin de mission. C'était bien, hein? Ah, c'était bien, hein? Ah, c'était épique, hein? Voilà, 2250 balles. Merci. Donc du coup, je pensais finir par l'usine, mais on va finir par ça. Donc livrer de l'eau, livrer des trucs exactement à ces endroits-là. Oh, c'est la rigolade. Bon, par contre, va falloir que je récupère là-bas les sacs de sable et là. Ok, et j'ai dit que j'allais prendre le camion le plus con du monde. Plus donc un camion qui va permettre de livrer 2200 litres d'eau. Alors soit je me prends un joli camion peut-être, on va voir. On va retéléporter ça au garage. Soit je prends un joli camion avec une grosse citerne. Soit je vais prendre le derry. Comment tu sais où il faut aller? Bah c'est écrit. Pour une fois, ils te mettent les points sur la carte. Pour celui-là de détecteur. T'inquiète pas, je fais déjà presque le triple du temps de jeu de Snow en ayant fait que 50% des trois premières réunions. Bon, bah merci le 49X, c'était bien. Alors, qu'est-ce que j'ai en mode? Bon, ça je l'ai remis au cas où. J'ai du Mustang. J'ai du Berlier, mais il prend pas de flotte lui. Je pense pas qu'il prenne. Lui il prend peut-être la citerne d'eau, mais ça va être du 1800, ça va pas être. On est toujours à 1800. Faut une citerne d'eau spéciale si je veux plus. Ah, j'ai la 3000. Ah, il y a la 3000 qui se met sur une 3 places. Ah. Ouais, il a l'air d'avoir une custom lui avec tout ce que j'ai pris en mode. Il prend la 3000, le Berlier prend pas, hein, on est d'accord. J'ai mis un 4745 aussi sur le Berlier pour rigoler. Ça se trouve, il prend la 3000. Ah non, il prend pas, merde. Ah, c'est con. Il prend plein de trucs, mais il prend pas la 3000. Je suis déçu. Ah, j'ai pas les véhicules assez grands pour qu'il prenne la 3000 lui. Ah, il prend rien du tout. D'accord. Citerne anti-incendie. 4400! Wesh! Ah, tu me fais de la peine, RSK, là. Par contre, elle est stylée, hein. C'est pas la même que l'essence, lui. Il s'est cassé le cul, lui. Lui, il s'est cassé le cul. 3700 pour l'essence. Là, elle est un peu plus grosse. 4400. D'accord. Oh là là, y a de moi ça. Ah, y a de moi ça, t'as l'impression d'être dans Construction Simulator, le mec il a fait des beaux trucs quand même. C'est propre, hein. La texture est pas folle, mais je pense que c'est les limitations de SnowRunner. Bon, bah on va peut-être prendre celui-là alors, hein. C'est un peu cheat, mais bon. Après, je pourrais prendre le Derry spécial et ça fera le même effet, hein. Ça ferait le même effet. Bon, bah allez, on va prendre le Mustang RSK. Comme ça change un peu de. Alors. Tiens, j'ai pas regardé. Qu'est-ce que t'as en moteur? Ah, je lui ai même pas mis le plus consommateur. Ah. Ah. Ah ouais, quand même. Bon, tu me diras, là, il a quand même des bonnes perfs. Il est en S+, peut-être que A+ pourrait lui suffire. Le moteur de base pourrait peut-être faire le taf. Celui-là, il est encore pire. Ouais, je sais pas, je vais lui mettre le moteur de base au cas où. Ah, lui, il est bien cheat, hein. Il a déjà S+ direct. 8 étapes. Plus de rapport, une meilleure vitesse maximale, un rapport élevé supplémentaire au détriment de sa solidité. Spécial. Ah, il a tout terrain et spécial avancé, lui. Il a trop de trucs. Il a trop de trucs, il me déçoit presque. Il va y avoir un petit truc que je voudrais voir.
C'est pas ce que j'ai envie de faire. Hein. Il a la 3000. Ouais, elle est longue. Hein. Oh, la 3000, elle est badass. Hein. Pop, pop, pop. Ouais, et pile. Toi, faut pas que je te cache, faut que je sache que je t'ai encore. Il est dans quoi? Alors, il est dans lourd le 5600 Twin Steer. Bah, il était là. Tac. J'imagine qu'il l'a aussi. C'est Saben Tombro qu'il faut pour le 745. Bah oui, mais elle y est, t'inquiète. Hein. On va aller tester ça. Il l'a. Et lui, il fait la bonne taille. Alors, faut lui virer la grue. Mais il a la bonne taille. Tiens, bah, elle est là, la grue. Voilà. Par contre, il va falloir faire 3 allers-retours avec lui. Hein. Ah bah non, ouais, si. Enfin, 2200, ça fait 6600. Ouais, ça tient pas en... Ça tient pas en deux voyages. C'est con, hein, c'est qu'on te demande 2200, mais les camions font 1800, les remorques font 2000. Y a rien qui colle. Tu peux pas faire un seul voyage, ça c'est vraiment de la merde. Et tu peux pas en faire deux non plus si t'as le truc énorme. C'est quand même vraiment pourri. Hein. C'est quand même vraiment pourri ce qu'ils ont fait. Hein. Y a rien qui va. Hein. Alors j'ai aussi mis, il y a une nouvelle grue de chez Pogrim. Apparemment elle est colorable. Et elle bouffe pas le... Ouh, mais attends. Ça, c'est bon, ça. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il nous a fait, Pogrim? Il nous a fait une grue colorable qui bouffe pas les rapports qualité poids-puissance, là. Mais c'est que c'est génial. Tu peux carrément la mettre en militaire. Et que c'est bon ce qu'il nous a fait là. RSK se fait plaisir sur les qualités d'essence, quantité d'essence ou réparation par rapport au Vanilla. Bah pourtant pas trop. Salut O'Neill. Prends le Zig 105R. Bah il aura pas le truc. Ah, elle est un peu lente par contre, mais. Elle est plutôt longue. Peut-être similaire à la jaune. Mais merde, il a fait une grue colorable. Ah. Alors, filtre, tu m'enlèves ça, et... Oui. Et... Non. Voilà. Alors, je veux bien, mais j'essaie de... Ouais. Ouais. Bah, je voulais essayer de la remettre moi-même, mais... Le problème, c'est qu'il veut pas réduire la grue. Bon, une importance. Waouh. C'est un grand waouh. Le mec, il t'a fait une grue colorable. C'est absolument génial. Ou alors, tu l'as en non colorable. C'est dingue. Eh, mais là, c'est goldé, là. Ah, c'est goldé à 2000%, là. Le 213 mériterait un module d'incendie. Ouais, mais il y en a plein, hein. Lui, il n'a pas eu droit. Le 605 n'a pas droit à son module d'incendie. Hein. Le 605R. C'est la grue de construction simulateur, j'ai l'impression. Ouais, c'est le même genre. Hein. Je sais pas si c'est la même, mais c'est le même genre. Il hein. N'y a pas la marque, par contre. Tu vois, les commentaires de son pack de modules, la majorité, c'était par rapport au fait que sa grue bouffait par rapport poids-puissance. Je pense qu'il en a tenu compte pour celle-là. Mais pourquoi il n'a pas réparé celle de son truc, je sais pas. Bon, qu'est-ce que je fais? Je le prends, celui-là, ou pas? De toute façon, c'est clair que pour la. Pour le transport de ressources, j'ai envie de faire mumuse. J'ai envie de faire mumuse, donc on va prendre ça. Voilà. Et pour le camion, si je prends de l'eau, sinon je prends une 3 500 litres. Je prends une 3700, pardon. J'ai quoi dans le camion? J'ai rien de spécial. Celui-là, il est trop long pour la remorque longue. Celui-là, il a même pas les 2200.
Celui-là, il a rien. Celui-là, il a 3000. Puis le Scania, c'est bon, on l'a assez vu, fait chier. Et dans le jeu, pour avoir la grande citerne, le P12, il a quoi? Il a la grande ou pas? J'ai pas envie de le prendre, mais... Là, ça m'énerve, j'ai le cul entre deux chaises de est-ce que je prends un camion qui est gigantesque, qui va avoir trop d'eau, ou si je prends un camion qui fait... qui est trop petit et faire plus d'aller-retour, ou prendre une remorque. Ah, il a pas. Il a pas. Il a 1800 de merde là. Ouais, bon. Ça me fait chier. Bah écoute. Ah, ça m'emmerde, ça m'emmerde, ça m'emmerde. Qu'est-ce que c'est chiant. Je vais pas faire le petit train là, on va pas le refaire. Je vois pas l'intérêt de refaire le petit train. Après, sinon, il y a la remorque d'essence. Genre, si je prends un 57X. Non, c'est pas ça que je voulais. Un véhicule du jeu, qu'est-ce que je peux prendre? Derry. Sinon, je vais prendre le Derry spécial et puis on n'en parle plus. Hein. Prendre le Derry spécial, qu'est-ce que je te dise? Les développeurs, vraiment, je. Pff. Vraiment, l'eau, c'est vraiment tout ce qui m'a fait chier. Faut un attelage bas, donc une grosse citerne, faut pas non plus n'importe quoi. Le logo, on dirait les grues Palfinger. Ouais, c'est ça, hein, c'est une copie, c'est exactement ça. Hein. Je suis sûr que lui, évidemment, il est pas compatible avec tout. Ah si! Ah, je suis sur le cul. Ah merde! Ah bah merde! Bon, malheureusement, il y a un écart de dingue, hein. Oh la vache, je suis sur le cul qui prennent ça. Ouais, lui, c'est quand même la citerne officielle qui traverse leur truc qu'il faut surtout pas traverser avec la grue. On voit la citerne qui traverse la protection de la transmission. Mais non, non, la grue, faut surtout pas qu'elle fasse pareil. Hein. Ouais, c'est pas super joli. Hein. Et il y a 2000, ça passe pas, ça fera un aller-retour en plus pour rien. Oh la vache! Oh c'est abusé! C'est cool ça! C'est hyper classe là-dessus! On fait un camion Tatra 813 d'essence? Celui-là, bah, j'avais déjà montré que ça pourrait faire un camion sympathique pour l'essence. Une grosse citerne bien large, pour lui, ça va pas mal. Hein. Tu mets le camion rouge et... 2000, hein. 2000. 2000, ça me saoule. Ça me saoule, on est sur du 2000. Hein. Je suis dépité. Bon, je... C'est quoi, ça me saoule. Pour l'instant, je vais aller livrer les sacs de sable. Je vais réfléchir qu'est-ce que je peux faire. Ça me pourrit ma phase, là, je trouve. On voit le bloc diff, là, qui fait n'importe quoi. Un coup en croix, un coup en Z. C'est nimp. Ça me pourrit ma phase, cette histoire de flotte. Hein, vraiment. Vraiment, leur quantité qui est trop haute pour un camion, trop basse en double... Ah, ils ont vraiment fait de la merde, je trouve. Je vais m'occuper des sacs de sable, hein, qu'est-ce que je te dise.
Par contre, qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être aller chercher deux sacs de sable du côté de la gare. Ça m'évitera de faire deux allers-retours en bas. Dites-moi, proposez des camions si vous voulez, et puis au pire j'en prends deux, j'en sais rien. Je fais un convoi, j'en sais rien. Proposez un truc, allez-y. Là j'ai pas. Je pourrais prendre le Mustang, mais ça me fait chier, j'aime pas ça. J'aime pas ça, j'ai l'impression de tricher, ça m'énerve. Autant faire le petit train hier, ça avait quand même un intérêt de complexité et tout ça. Alors j'ai remarqué qu'en fait pour attacher la remorque à l'arrière, avec le treuil, il fallait que ce soit à distance du camion. C'est pour ça que j'étais obligé de me mettre en vrac. En fait, le treuil ne tenait pas par rapport à la remorque, par rapport au camion. Salut Célica! Eh, franchement, ça me bouffe ma phase, cette histoire, ça me fait chier. Hein. Après, j'avais dit, sinon, je prends le 770G pour les 4 autres. Et puis celui-là pour les deux qui sont au nord. On va déjà faire ça. On va pas transiter de camion. Pour le fun. Voilà. Les gros travaux de chantier sont là. Ramener les sacs de sable, on fera une petite photo. Là-bas avec les deux, ça fera joli. Donc ici, il me reste plus de sac de sable, on est d'accord? Non, j'ai tout bouffé. Hein. Donc effectivement, la quantité est vraiment très juste. Hein. Je crois qu'il n'y en a pas un de plus. Hein. Il y en a zéro de plus. Donc si vous en détruisez, si vous avez un bug, et ben, au revoir, finir la phase pour l'instant. C'est quand même pas une belle réussite des développeurs. Hein. À chaque fois, te mettre une quantité ric-rac, c'est pas très futé. J'aurais tellement aimé pouvoir l'utiliser plus ce camion. Bah écoute, avec ça, c'est déjà pas mal, hein. Bon, c'est un mode, mais bon. C'est sûr que voilà, c'est mode. Chaque fois que t'as une question, j'aimerais bien mode. Voilà. On pourrait avoir mode. Voilà, c'est le joker des développeurs, c'est mode. Voilà. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, malheureusement, SnowRunner, c'est la réponse mode. Voilà. Si t'as une question, vas-y, mode. Salut Robtyric! Belle remorque, ouais, bah écoute. Je l'ai déjà présenté l'autre jour celle-là, mais on va la reprendre. Hein. Oh putain, c'est pas possible.
vois pas de téléchargement. Minecraft entre en piste. Eh, ça me gonfle. Hein. Tu vois, c'est pour ça aussi que là, arrêter les lives, ça va me faire du bien, je crois aussi. Hein. Parce que là, avoir un live comme ça de merde. Ça commence à me gaver sévère. Non, non, tu laisses pas le wifi sur le téléphone, ça va bouffer la co. Bon, ça a repris ou pas? Comment ça se passe? Ça, j'ai à peine joué, quoi. Est-ce que c'est bon, c'est réparé normalement? Notif pour la dernière vidéo de Gaming Wheels, 5 camions sous-côté. Ça commence bien, miniature c'est le P12. Ah ouais, sous-côté mon cul. Sous-côté mon cul, le P12, non, il est pas exceptionnel du tout. Bon, bah si c'est reparti, moi c'est écran noir. Hein. Comme d'habitude, mon retour fonctionne bien. Pour l'instant, ça bug pas. Bon, bah merci. Je suis obligé de me baser sur ce que vous me dites parce que j'ai pas de retour. Y'a même pas de retour, j'ai un écran noir. Je sais pas ce que c'est que ce débit de merde encore, mais. Ça commence à me prendre le chou léger. On fera un reset de live quand je ferai les défis. Pour mettre les défis tout seul sur une autre vidéo. Donc ça lui fera peut-être du bien. Pareil, c'est fluide. Bon, ok. On va dire que c'est réparé. Alors la remorque, elle part sur le côté. Je sais pas pourquoi. Ah, par contre, là, si je vais me planter dans le poteau, ça va pas le faire. J'ai vraiment une connexion de merde. Ça va ta vidéo? Pour moi aujourd'hui la seule chose bizarre c'est que tu dois mettre en wifi. C'est que je dois mettre en wifi. C'est peut-être ça. Bah écoute, oui c'est curieux de te mettre en wifi plutôt qu'en câblé pour que ça capte. Je hein. Vois pas trop quel est le truc qui pourrait gêner. Hein. Avant que ce soit ton câble. Bon, visiblement, hein, c'est toujours pas fou les convois. Hein. Je pense qu'on arrêtera le convoi une fois qu'on sera passé. Hein. Commence à me prendre le chou. Hein. Et alors ce retour qui veut pas s'afficher là, je sais pas si c'est Twitch, si c'est mon truc, mais ça commence à me prendre la tête. Qu'est-ce que t'arrives pas à afficher une vidéo en 160 pixels, mec? C'est quoi ton délire? Ça y est, tu vas y arriver? Là c'est incroyable quoi. Habituellement je suis en 4G, mais bon c'est un détail sans rapport avec toi. Ah bah si t'es en 4G d'habitude, oui, bah la 4G c'est un peu fluctuant. Hein. Ça peut être un peu merdique, hein. Je le sais. Hein. Qu'est-ce que c'est que j'arrive pas à afficher sur mon PC? C'est lié avec la 4G. Donc, c'est frisé? Ah, oh, mais non, mais c'est pas possible. Mais j'arrive même pas à voir ma rediff pour savoir en fait. Je peux même pas contrôler, savoir si ça bloque ou pas. J'ai pas droit. C'est dingue ça. C'est dingue. Je
Putain, je vais être obligé d'utiliser mon téléphone, quoi. Live. Déconnecté? Non. Oui, mais... Le live est OK pour moi. Salut Delta, merci à toi et bienvenue. Chez moi, tout va bien. Putain, mais c'est dingue. Ça doit être... C'est pas possible, c'est Twitch là. J'arrive pas à afficher mon truc sur ma 4G, sur ma Bouygues. Il y en a qui me disent ça merde, d'autres qui me disent ça passe. Il y a un gros problème, quoi. Il y a un gros problème. Je pense que c'est Twitch là qui fout la merde. Tu pourras toujours compter sur nous pour te dire si le live crash ou non. Là, c'est chez Vibou qui bug, c'est le seul que ça freeze. Je n'arrive pas à le voir, moi, mon live. Je ne peux pas. Je n'ai pas droit. Ça peut être demandé, mais comment ça se passe? T'es sur Twitch, sur la Xbox? Et tu lis une connerie sur un PC? Oui, c'est ça. J'ai un PC portable, je regarde Twitch, j'ai le retour, et puis j'ai mon mode développeur, pardon. Et je stream via ma Xbox. Via l'application, via la Xbox maintenant, il n'y a même plus besoin de l'application Twitch. Parce que je vais finir par y retourner. J'ai rechargé la page Twitch et ça fonctionne. Moi, j'arrive pas. Hein. Via mon téléphone, via mon PC, je n'ai aucune rediff, je ne sais pas. Si ça marche, je ne sais pas. Je n'ai pas droit de le savoir. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Je n'arrive pas à voir si mon truc marche. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Là, alors là, c'est la première. Impossible de regarder mon stream. Je vais le relancer parce que ça se trouve, il y a des gens pour qui ça va merder, d'autres non. Donc, je vais relancer. Donc, si ça marchait, bougez pas. Je le relance en 10 secondes. Vous n'avez même pas besoin de rafraîchir. Normalement, je relance. Alors, je vois que j'ai la vidéo. Magnifique. Ton même compte sur les deux appareils? Oui. Oui, mais c'est pas gênant. Ah, ça y est, la vidéo a disparu. Ça a duré 3 secondes. J'ai eu la vidéo, le son, tout d'un coup. Il n'y a plus personne sur mon PC. Eh, mais c'est incroyable aujourd'hui, Twitch. Putain, c'est dingue. Hein. Je peux pas faire un stream de 2 secondes sans que ça merde. J'ai pas de vidéo. Je n'ai pas de vidéo. Et puis j'ai pas forcément le compte stream, le compte Twitch sur la Xbox. J'ai un écran vide. Je ne sais pas. Est-ce que mon live fonctionne? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ça de ma vie sur Twitch là. Hein. Jamais. Hein. Ne pas pouvoir savoir si mon live fonctionne, j'ai jamais vu ça. L'application sur mon téléphone n'est pas capable de me dire que je stream. Passe en 4G, pas en Wi-Fi sur ton tel pour pas avoir la même IP. Oui, non, mais t'inquiète, c'est prévu, hein. C'est ce que j'ai fait déjà, hein. C'est ce que j'ai fait. Là, j'entends mon son. J'ai pas la vidéo. J'ai le son, pas la vidéo. Là, c'est n'importe quoi. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu autant de bugs, là. C'est toujours bon pour nous, c'est déjà ça. Bah ouais, mais. Le problème, c'est que le moment où ça va crasher, moi, j'aurais fait tout le jeu et j'aurais pas pu voir que ça a merdé. Voilà, non, j'ai toute la vidéo qui coupe. Je pense que tu peux tuer, ça semble marcher. Bah écoute, je vais continuer, mais je peux pas savoir si ça fonctionne. C'est incroyable. Donc j'en ai pas pour très longtemps. Et ben, tu vois, ça donne envie de faire des lives. Hein. Ouh là là, que ça donne envie de faire des lives. Hein. Ah oui, ah là, on est sur le summum là. Hein. Alors pourquoi il m'a quitté la mission là, je sais pas.
Une connexion de merde comme ça donne super envie de faire des lives. Bon. Allez, on va faire véhicule par véhicule, on va aller se promener. On va essayer de continuer comme ça, mais... J'entends mon retour audio, mais j'ai pas de retour vidéo. Ni sur mon portable, ni sur mon PC. Donc je... C'est absolument incroyable. Bah j'espère que ça va tourner, hein. Parce que là, j'ai pas de capture si jamais ça merde. Je n'ai pas de... Déjà, vu que j'ai coupé, il va falloir que je m'amuse à refaire un collage. Je n'aurai rien en sécu si jamais il n'y a pas de live enregistré. Là, il n'y a pas de live sur YouTube. Hein. Il n'y a pas de rediff. Hein. Donc, on va dire que ça fonctionne. On dira si ça merde, mais là, c'est OK, nos problèmes. OK. La pub Orange oublie que le mec est dans le trou du cul de la montagne, il joue en réseau. Ouais, bah, il joue en réseau, ça prend pas tant de connexion en fait. Il n'y a pas besoin de tant de connexion en fait. T'as besoin de 1-2 mégas maxi en upload. Tandis que pour streamer, t'as besoin de 3 à 9. Hein. T'as besoin de 3 à 9. Hein. C'est... Ah merde, j'ai loupé la route. Je parle et j'ai loupé la route. T'as besoin de beaucoup plus pour streamer, hein. C'est pas du tout la même. Hein. Et ce qui m'inquiète, le stream est offline. D'accord, Wisebot qui me dit que c'est offline. 54 minutes 32. Putain, c'est dingue. Bug. Je sais pas si je suis en ligne ou pas là, merde. C'est pas possible. Ça y est, j'ai un retour vidéo cette fois. Mais Wisebot, il se réveille 3 ans après, c'est fini. Putain, c'est incroyable quoi. Aujourd'hui, c'est un calvaire hein, de live. Waouh! Je m'attendais à faire ça tranquillou. C'est vraiment une journée de merde. Hein. Je vais en ligne avec 15 viewers. Ouais, il y en a qui sont partis. Ça y est, j'ai la vidéo. Pour l'instant, je vois que ça galère, mais pour l'instant, j'ai la vidéo. Bon. On va dire qu'on a la vidéo. Hein. On va dire que ça fonctionne cette fois. Mais bon. Comme tout le monde, c'est nickel pour nous. Re. Ici aussi, ça dit offline, mais on voit toujours. Ah non, mais je pense que c'est le live que j'ai coupé qui réagit 5 minutes après, à mon avis. Salut Stantry, je viens de finir mes ex de maths, donc j'arrive encore, des bugs de co. Oh, oui, là. Enfin, c'est plutôt des bugs de Twitch, là, j'ai l'impression. Parce que autant la co est peut-être pas terrible, autant là, il y a quand même des gros soucis, j'ai l'impression. Donc, sac de sable, sac de sable, sac de sable, ok. Fluides sont ok, on t'entend bien rager, ça c'est clair. Ah ouais, non, mais je suis désolé, mais. Je supporte pas quand ça merde, quoi. Je vais rebalancer ça sur YouTube. Déjà que je fais ça en 720p de merde. Et encore, c'est même pas de la 720p de qualité. Si en plus il y a des bugs, des lags, des coupures de son, ça me fait péter un câble, ça. Si j'avais une bonne co, j'enregistrerais avec mon boîtier d'acquisition. Je rebalancerais de la super qualité sur YouTube. Là, je suis obligé de faire de la merde. Il n'y a rien qui me dégoûte plus. Là, ça me. Ça me prend le chou, un truc de bien. Bref. J'avais vu Zultool qui m'avait mis un message aussi. C'est possible que Twitch, avec tous les gens qui commencent un live avec Resident Evil 4 Remake. Bon, pff, non, ça n'a rien à voir, t'inquiète pas. Hein. Quand il y avait Hogwarts Legacy, il y avait du monde dessus. Hein. Bon, ça a l'air de tourner, là j'ai le son, j'ai la vidéo, c'est incroyable. Le live est de retour, c'est bien Wisebot, c'est bien. C'est bien, t'es presque en retard. Presque. Bon, c'est plutôt sympa de pouvoir aller chercher des ressources avec un 4745.
Il est pas trop fait pour, mais... Voilà, c'est des sacs de sable. Ça va. Et donc là, tu es sur le DLC saison 9? Oui. Ah, c'est écrit dans le titre, hein. Je suis en train de finir la saison 9. Oui, là tout marche bien. Bon, bah écoute. On va essayer, hein. Sinon, je relance le stream quand j'aurai fini cette mission-là pour séparer, séparer les défis. Bon, après, je peux le faire moi-même, mais ça sera plus simple d'éviter de télécharger pour peut-être renvoyer une qualité d'encodage ou je sais pas quoi en plus, j'en sais rien. Je sais pas trop comment ça se passe. Oh, c'est vraiment sympa, hein, un petit 745 comme ça dans les bois, dans les routes de merde avec la benne. Il te manque 1 mm. Alors, sac de sable. Voilà, le jeu il plante. Ma partie est terminée. Si les ressources elles disparaissent, c'est fini. Je peux plus finir la phase. Donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts, sachant que j'ai eu énormément de mal à démarrer le stream parce que les DLC ne voulaient pas s'activer. Donc on n'est pas à l'abri que ça merde. Hein. J'ai eu beaucoup de bol, j'en connais qui ont eu beaucoup de crash du jeu à cause des DLC. J'en ai eu qu'un, je crois, ou deux au tout début de la phase 9. Je sais pas si c'est de la chance ou quoi, mais j'espère que ça va continuer. Hier soir, tu as mis en ligne la vidéo 497, tu as prévu un truc spécial pour la 500? Non, que dalle. De toute façon, c'est pas vraiment la 500e vidéo, donc je vois pas tellement l'intérêt. En plus de ça, je pense que j'aurai fini la phase, du coup, ça sera 498, 499. Donc la 500, en gros. Ça serait pour tester le pack Mac qui va peut-être arriver je sais pas quand là, quand on aura tous fini la phase. Là, regarde le trou dans le sol, je vais rouler dessus. Réparation. Oculus réparo. Voilà. Vraiment pas mal cette petite benne. C'est fou qu'il laisse ça comme ça, et si on peut pas finir une phase à cause d'une ressource, il n'y a pas de solution pour recommencer? Absolument pas. Aucune. Peut-être des merdes. Alors la phase 8, ils ont réussi à remettre des sacs de sable, je sais plus trop où. Mais la phase 9, ils ont recommencé la même connerie. C'est la seule ressource, j'ai l'impression, qui est vraiment hyper ric-rac. Hein. Faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est la seule qui est très très ric-rac. Là, si je regarde, qu'est-ce qu'on a en ressources au total? Non. Ouais, t'as réagi 3 heures plus tard, merci. Les planches moyennes sont illimitées à la scierie. Les planches de bois sont illimitées à la scierie. Les poutres en métal et les blocs de béton, normalement, sont illimités à la gare. C'est encore les sacs de sable qui nous font chier, hein. Rouleaux de métal, il y en a à la gare. Cabane, tu peux en construire à l'infini une fois que tu as débloqué la scierie et la gare. Tuyau petit, je crois qu'il y en a à l'infini à la gare.
Je crois que c'est ça, hein. Non, il n'y a peut-être pas les petits, c'est peut-être les moyens. Si, c'est les petits. C'est les petits. Donc, bloc de béton, briques, rouleau de métal, poutre en métal, ciment. Ciment, je sais même pas si on en a utilisé. Même pas sûr. Qu'est-ce qu'on a dans les autres entrepôts? Poutre en métal, briques, pièces de rechange. Pièces de rechange, je crois que je les ai vues. Oui. Alors, il y a des pièces détachées, je crois. Il n'y avait pas des pièces détachées que j'ai fait, je sais plus quand. Mais c'était peut-être des pièces détachées qui étaient sur la carte, non? Je sais plus. Alors, il manque les tuyaux moyens. Les tuyaux moyens, je sais plus où est-ce que je les ai pris. J'ai pas vu de tuyaux moyens. Donc là, les cabanes, les consommables. Pour faire les consommables, tout est en illimité. C'est longue planche, poutre et rouleau, je crois. Ça fait 7 places. Il n'y a que les tuyaux moyens. J'avais pris des tuyaux moyens et ça, j'ai l'impression de ne plus en voir. Je vois plus de tuyaux moyens. Donc les tuyaux moyens sont en quantité hyper ricrac ainsi que les sacs de sable. C'est les deux ressources qui sont vraiment à faire très attention dans cette phase. Si je vois bien. Tout est ok normalement. À la scierie, il y a tout, hein. Planche moyenne, longue planche, planche de bois, ouais. Donc il n'y a que les tuyaux moyens que je ne revois nulle part. Bloc de béton, pièce de rechange, tuyaux petits. Ouais, là je les vois même plus les tuyaux moyens. À moins qu'ils me les avaient fait popper quelque part, les tuyaux moyens. Ah oui, ils me les avaient fait popper à la gare. Non, pas à la gare, au centre de réparation. Donc c'était même pas une ressource à récupérer. Bon, par contre, tu peux recommencer la mission, quoi, du coup. Ils me les avaient fait popper là, les 4. Et j'ai fait 2 allers-retours. Donc les tuyaux moyens ne sont pas un problème. Donc, et encore une fois, que les sacs de sable. Salut, Chevy. Ça va bien que le son et l'image, ouais, bah t'arrives au bon moment alors, parce que tout à l'heure c'était la merde. Donc il y a encore une fois que les sacs de sable qui viennent foutre la merde. C'est que les sacs de sable qui, une fois de plus, foutent la merde. Il y a tout ce qu'il faut sauf les sacs de sable. C'est dingue ça quand même. Ils ont un problème avec les sacs de sable, les devs. Je vois que j'ai des coupures de live, j'ai l'impression. Ok, donc il y a bien que les tuyaux moyens qui sont merdiques. Bon, bah écoute. Le stream est bien stable, bon, ça va. Merci. Merci bien. Zéro souci pour l'instant. Merci beaucoup, les gars. Ça m'aide beaucoup. Bon, pour une fois j'ai le retour et le son, mais vu que des fois j'ai des bugs de co, c'est peut-être ça qui vient apporter des bugs dans mon retour. Salut Nico, je suis nouveau. Eh ben bienvenue à toi. On va essayer de se calmer un peu, mais franchement ça me saoule aujourd'hui. Entre la mission qui est un peu pourrie et puis les bugs de co là. Bon, j'ai pas décidé ce que je prenais comme camion là pour faire la flotte. 2200. 2200, donc il me faut. Les camions sont à 1800. Soit je prends le derry spécial qui est à 2200. Soit je prends le n'importe lequel qui est à 1800 de toute façon. Tous les autres sont à 1800. Alors au pire, je peux prendre 4 camions de 1800. Je crois que ça passe, 4000. 8 fois 4, 32, ça fait 7200. Et moi, il me faut 6600. Donc 4 camions de 1800, ça passe normalement. Si j'ai bien compté, ce qui n'est pas certain. Salut Gary. Je peux éventuellement prendre 4 camions.
peux me faire 4 camions, faire 2 voyages. Et je peux garder l'eau des premières cartes. Ouh là là, j'avais pas pensé à ça. Je peux garder l'eau vu que c'est pas des remorques. Oh, c'est intéressant ça. C'est débile, mais c'est intéressant. Est-ce que t'as fait une tier list sur les maps? Non, pas encore. Allez, donc t'es la deuxième personne à me demander aujourd'hui. Ça fait 3 ans que le jeu est sorti, je l'ai jamais fait, et aujourd'hui tout le monde me le demande. Non, je vais le faire, je vais finir la phase, là, je vais donner mon avis dessus après. Et je vais pouvoir m'y attaquer, je vais avoir plus de temps. Tu l'as bientôt fini? Oui, bah aujourd'hui. Hein. Là, j'ai cette dernière mission là et puis les 2 défis. J'ai pris la phase 8 et j'aurais vraiment pas dû. Oh bon? Oh, elle est très bien la phase 8. C'est une des meilleures. Qu'est-ce qui va pas avec la phase 8? Phase 3, 6, 8, c'est les meilleures. Qu'est-ce qui va pas avec la phase 8? Pourquoi j'ai 1,7 million de dollars dans ma partie principale de Snow, j'ai que 2 camions. Celle avec les tracteurs, oui alors. Alors oui, les véhicules qu'on te donne sont pas terribles. Ça, on te file 2 tracteurs, ça tourne pas, c'est nul. Mais au niveau des missions, tout ça, elle est franchement super bien, moi je trouve. Le visuel, tout ça, moi j'ai adoré la phase 8. J'hésite presque à dire c'est pas la meilleure pour moi. Si on vire le côté tracteur, malheureusement, il nous file des tracteurs pourris. Si on avait des bons tracteurs pour faire les champs, c'est sûr que ça serait un peu plus intéressant. Ça serait un peu plus fun. Je me demande si dans la réalité, ce camion-là, quand il pousse un caillou comme ça, est-ce que le caillou il éclate ou. Je pense pas qu'il monte dessus quand même. Et je me demande. Bon, après, j'imagine que tu fais en sorte d'avoir des routes où t'as pas ces conneries-là. Mais je me demande s'il vient à taper un camion comme ça, est-ce que le camion explose? Est-ce qu'il est juste poussé sur le côté? Je sais pas quoi. J'ai qu'un Colob 74-760 et un Derrick Longhorn 45-20. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour faire le jeu. Hein, mais... Pas de grue sur aucun des deux. Je lag beaucoup, donc peut-être que ça y fait. Tu lag beaucoup? Bon, bah oui. Après, c'est sûr que voilà, maintenant les dernières phases elles lag. Je sais pas sur quelle supporter, mais. Je sais pas si tu mets des mods aussi. Des fois, les mods ont l'air de faire pas mal laguer le jeu.
Ouais, ça par contre. Autant quand on a un truc 4 places, vu que c'est un truc vraiment collé, ça se centre un peu, mais là, vu que c'est des trucs qui se séparent, malheureusement, ça dépasse un poil. Aïe! D'accord. Je suis deg, j'ai une belle map mode en réserve, mais il faut la phase 8 pour pouvoir la finir. Ah bah oui, parce qu'il te faut le. Il te faut les tracteurs, enfin il te faut le. Il te faut les champs. Bah oui, si, les tracteurs, oui, si. Et non, t'as pas besoin de la phase 8. Qu'est-ce qui te bloque? Vas-y, dis-moi, je te parie que je te débloque. On va peut-être pas passer par le côté rocheux. Je sais pas s'il sera assez large. Bon, allez, peut-être pour le fun. Allez, pour le fun. Allez, parce que je vous aime bien, je passe par le côté casse-gueule. Allez. Alors c'est là que t'es censé avancer, hein. Quand je te mets une vitesse lente qui est censée t'aider, c'est là que t'es censé y aller, hein. J'ai fait une campagne total mode, c'est pour ça, mais même sans mode, ça lag peut-être la plateforme. Ouais, ça peut être les deux, hein. Moi aussi, je lag sur la phase 7, sur la phase 8, sur la phase 9. Ils optimisent plus rien, donc ça lag de partout. C'est malheureux. C'est comme ça. Ah, super le soleil. Impeccable. Ouais, sauf que c'est plus intéressant d'avoir une vue comme ça en bas, mais. C'est le prix de soleil. Ce sera pas intéressant. Là, ça devrait aller. Le soleil doit être caché. Le camion est un peu en. Ah non, il est pas caché, hein, ce fumier. Ah, là, ça peut le faire. Ça fait un joli effet de soleil. Ouais, à peu près. Salut, Julo. J'ai adoré la course. La course? Quoi, dans les champs? T'as déjà fait la course, c'est ça, dans la phase 8? Ah, c'est vraiment l'attelage qui me guide. Ouais, bah là ça va être. Ah, tu vas pas aimer ce qui va se passer, mon pote, hein, mais. J'aurais peut-être dû faire une petite photo, ça aurait pu être cool. Tant pis. Ah, j'aurais dû faire une photo, fais chier. D'accord. Si, parce que la map se nomme Mojave, désert, mais ça on s'en fout. Le problème c'est qu'il y a une mission, il faut remplir un tracteur en essence. Mais sans phase 8, donc sans tracteur, c'est compliqué de faire la mission. Non. Hein? Quoi? Tatatatata. Oui, Mojave, ok, ça je connais. Faut remplir un tracteur en essence. Ok? Mais sans phase 8, donc sans tracteur, c'est compliqué. Pourquoi? Pourquoi? Je comprends pas. Tu dois faire un plein d'essence, quel est le rapport avec le tracteur? J'ai pas compris là. Là, je vois pas le rapport. La course, c'est la phase 7. C'est la phase 7, les courses. D'accord. J'ai cru que tu parlais des défis qui étaient dans la phase 8.
Sans le tracteur à ravitailler, on peut pas faire la mission. Parce qu'il apparaît pas, c'est ça? Le tracteur apparaît pas si t'as pas la phase? Et il est con le modeur là. Tu fais du multijoueur ou pas? Non, rarement sur Xbox ça arrête pas de bugger, on se fait éjecter toutes les 30 minutes. Donc ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse pas. Si, ça m'intéresse, mais j'en ai marre quoi, j'en peux plus. Me faire éjecter toutes les 30 minutes, c'est bon. J'ai autre chose à faire, c'est pour faire ça. Bon, l'objectif de jouer, c'est de prendre du plaisir. C'est pour se faire éjecter toutes les 30 minutes. Que tout ton trajet soit foutu à la poubelle, tes ressources par terre, voire elles disparaissent. Non, c'est bon. Oui, il apparaît pas. Ah oui, non, mais le modeur est un gros débile, alors. Si le modeur est pas capable de te mettre un véhicule que tout le monde a à ravitailler, c'est un gros débile, le mec. Il aurait pu prendre un mode et du coup ça aurait il serait peut-être apparu comme certains le font. En fait il a fait qu'à ça car cette mission sert à récupérer le tracteur pour faire des missions de champ. Bah ouais mais il est mignon mais ouais. Je sais pas si ça se justifie mais bon. Des missions de champ, tu peux aller chercher un mode Z2 là, t'as tous les trucs qui sont avec. Bon je sais pas s'il y a besoin de la phase 8. Je sais pas si on a besoin de l'avoir la phase 8 pour ça. Les champs, c'est pareil. Je sais pas si pour faire un champ dans une map modée, il faut la phase 8. J'en ai aucune idée. Bon, on va peut-être aller rechoper la route là-bas. Allez. Petite vitesse haute, tu vas réussir à tenir le pavé ou pas? Il a l'air de déjà galérer. Et Luxet, ouais, écoute, non, ça va pas terrible, non. Des bugs de live, des bugs de DLC. Une mission qui est pas terrible. Pas forcément, je crois que pour le V-Pack Vintage Z2. Mais pour les modes, en fait, je me dis que non. Parce que bon, vu qu'apparemment, maintenant, on peut avoir des tweaks de véhicules qu'on possède pas. Je pense pas que ce soit nécessaire. Mais pour faire un champ, est-ce qu'il y a besoin de la phase 8? Je sais pas. Je me rappelle plus. Est-ce que le mec il a marqué dans son descriptif de la map modée qu'il fallait la phase 8? Parce que bon, ça pourrait être bien. Il a testé un parti principal sans phase. J'ai pas testé moi le Z2. Il en a fait deux Z2. Il a fait un vieux petit tracteur qui est à chaque. T'as un véhicule pour chaque tâche. Et il a fait l'espèce de cassette M rallongée là qui est assez dégueulasse. Mais qui doit faire à mon avis 4 largeurs de champ d'un coup. Ça doit être assez fun. Ça doit être assez fun, je l'ai pas testé sur un champ. J'ai testé vite fait sur la map de navigateur et donc du coup forcément il n'y a pas de champ à faire. Ça doit être assez sympa de se faire le champ en peut-être 2 ou 3 passages, ça peut être assez rigolo. Quand on lance la map, il met un message attention pour la phase 8. Ah ouais d'accord. Ok. Ouais bien sûr. Putain, il cale en côte le machin. Il est quasiment à vide, il cale en côte. Putain, si je m'étais pas payé le poteau, je serais déjà arrivé quoi. C'est chiant ça. Ah. Ouais. Pourtant, on peut aller jouer à la phase 8 sans avoir la phase, donc c'est curieux. Hein. Sans l'avoir acheté, on peut aller jouer à la phase 8 d'un pote. Hein. Donc c'est quand même curieux, tout ce mélange. Ils ont vraiment fait des trucs qui sont pas logiques, pas cohérents, et tu t'y retrouves plus. On n'arrive même pas à savoir s'il y a vraiment besoin de tout. Mais je tourne depuis 25 minutes, putain. Oh là là, mais ce véhicule, il a aucune adhérence à l'avant. On dirait qu'il a pas de poids, quoi. Oh là là, le poids, il est géré par l'attelage, on dirait. Il y a quasiment rien dedans. Ouais, vas-y, va te faire voir. Prends-le, ton dégât, mange, et puis va te faire voir. Je comprends pas, le machin, je braque comme un mort, et...
Non, non, les roues, elles sont trop petites, hein. Il adhère pas sur la route, il adhère pas sur la terre. Il y a un moment, faut me dire sur quoi tu sers. Ah bah, je devais pas être loin du deuxième poteau, là, encore. C'est assez curieux comment il est géré. Quand je jouais online, j'avais réussi à aller sur une des maps de la fusée. Mais normalement, tu peux aller jouer à toutes les maps DLC sans avoir les DLC, hein. Tu peux aller jouer aux maps DLC, pardon, chez un pote, hein. Ça ne pose pas de soucis. Dans tous les jeux où il y a des modes, normalement, ça bloque, d'une certaine manière. Je veux dire, dans Forza, tu vas pas aller jouer au DLC Hot Wheels ou au DLC machin si tu l'as pas acheté, hein. Même si ton pote il l'a, je crois pas que tu puisses y aller, hein. Donc, il y a plein de jeux comme ça a toujours été comme ça. Mais SnowRunner a décidé de faire autrement. Rien-moi ça, je peux pas tourner. Je peux pas tourner. C'est... Le machin il accélère plus en côte et le véhicule il tourne pas. En plus d'être inutile, ils l'ont rendu totalement inutile asthmatique, c'est dingue. Rien-moi ça. Je suis calé. Je suis calé. Une petite côte, j'ai quasiment rien dans la benne. Je suis calé. J'ai trois sacs de sable, mais je suis calé. Et la remorque n'ayant pas de treuil. Bah, j'ai dans le cul.